Belle affiche entre le PSG et Nice, deux formations invaincues depuis le début de la saison, deux équipes qui n'ont même pas été menées au score. Mbappé, Ramos et Dembélé vont jouer en attaque pour le PSG. Kolo Muani débute sur le banc, Ruiz et Asensio sont absents. Nice de son côté peut aligner Diop, Mofi et Laborde dans les positions offensives. Les Parisiens sortent d'une trêve internationale dans laquelle beaucoup de joueurs étaient concernés par les sélections. Ils s'apprêtent également à entrer en lice en Ligue des Champions, la réception du Borussia Dortmund quelques jours après pour la première journée de la phase de poule. Les Niçois ont un premier ballon d'attaque avec Terem Mofi, c'est directement sur Donnarumma. La réponse parisienne sur corner s'est jouée à deux entre Dembélé et Vitinha, ballon rentrant mais bien capté par Boulka, ancien gardien du PSG. Les Niçois attaquent avec le tir de Todibo, c'est contré, ça revient sur Mofi, c'est contré encore. Mais ça termine au fond des filets. Un petit coup de réussite pour les Aiglons, mais un bon tir pour Mofi. 1-0 pour Nice à la 21e minute, le deuxième but de la saison pour l'attaquant nigérian. Situation parfaite pour les visiteurs. Mais Paris répond très vite avec le but de Kylian Mbappé servi par Achraf Hakimi. Un partout à la 29e minute, 8 minutes après le but de Mofi. Mbappé marque déjà son 6e but de la saison. Le PSG est vite revenu au score. Un but partout entre les deux formations. C'est le score à la mi-temps. En seconde période, les Niçois essayent de nouveau de perturber le Paris Saint-Germain. Des Parisiens qui vont également de l'avant. Le match est très disputé. Mofi récupère la balle, défie Danilo, l'efface et réussit à centrer au deuxième poteau. Quelle passe décisive de Terem Mofi pour Gaëtan Laborde. 2 buts à 1 pour Nice à la 53e minute. Le deuxième but de la saison pour Laborde. Les Niçois ne lâchent rien et reprennent même l'avantage. Les Parisiens sont en difficulté, d'autant plus lorsque Mofi, lancé par Laborde, récupère le ballon et face deux Parisiens pour s'offrir un superbe doublé. 3 buts à 1 pour Nice à la 68e minute. Troisième but de la saison pour le Nigérian. Il est très chaud dans ce match. Luis Enrique lance Kolo Muani, Barcola, Ugarte sur le terrain. Les Parisiens font tout pour essayer de réduire l'écart et se redonner une chance. Ils insistent et réussissent cette action avec Achraf Hakimi, ballon récupéré par Randal Kolo Muani. Après une vingtaine de minutes sur le terrain sous ses nouvelles couleurs, il délivre une passe décisive pour Kylian Mbappé, le doublé de celui qui porte le brassard de capitaine pour ce match. Il n'y a plus que 3-2 pour Nice à la 87e minute. 7e but de la saison pour Mbappé. Un chiffre impressionnant, mais le PSG est en train de perdre ce match. Il reste encore quelques secondes à jouer. Les Parisiens vont de l'avant, mais n'arrivent pas à marquer. Ils se font même contrer. Van Gessa entré en cours de match. Pour le 4e, c'est sauvé par Donnarumma. C'était la toute dernière action de cette partie. Nice reste invaincu et inflige au PSG sa première défaite de la saison. Succès de Nice, 3 buts à 2 sur le terrain du Paris Saint-Germain.